Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end se passe également bien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de gourmandise. Et en ce jour de gourmandise, je vous propose de réaliser des petits gâteaux à la pistache et au manioc. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un like à cette vidéo. Et pour réaliser ces petits gâteaux à la pistache et à la farine de manioc, il vous faudra de la pâte à pistache, de la farine de manioc, des œufs, de l'amande en poudre, de la farine, du sucre, de la levure chimique, du beurre fondu, de la vanille liquide, de l'amande amère et de l'huile pour beurrer les moules. Au niveau des ustensiles, il vous faudra un fouet, un bol, une cuillère, des moules à gâteau, un pinceau, une louche et une spatule. On a tout ce qu'il nous faut? C'est parti pour la recette. Voilà les amis, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de la reproduire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce qu'il faut savoir sur ces petits gâteaux, c'est qu'avec la farine de manioc, il y a plus de mâche en bouche que s'il n'y avait eu seulement que de la poudre d'amande. Alors dans cette recette, la farine de manioc n'a pas la même consistance que ma recette avec les cônes, pistache, chocolat blanc et farine de manioc, car la farine de manioc avait ramolli dans la crème. Ces gâteaux sont quand même très intéressants, car il y a de la mâche en bouche avec la farine de manioc et on retrouve quand même le goût de la pistache qui est super agréable. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, j'attends vos commentaires, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et n'oubliez pas, la gourmandise est un vilain défaut ou pas. Bye bye.